Bonjour, bonjour à toutes. Euh, toujours avec un grand plaisir et contentement d'inquiére que nous retrouvons à nous euh, comme euh, chaque fois pour parler de cuisine de notre pays, euh, la Réunion. Et aujourd'hui, nous va faire un gâteau banane. Pour ça, va falloir nous euh, des œufs, enfin euh, nous euh, trois œufs que nous va casser dans un saladier. Va falloir nous aussi. Euh, euh, du sucre, le sucre il ne faut pas mettre beaucoup. Moi, on a utilisé à peu près 80 g de sucre, enfin, nous aussi de la farine, euh, demi-sachet de levure et 120 g de beurre, sans oublier les bananes. Il va falloir nous environ 2 à 3 bananes pour cette recette et quelques gouttes de vanille. Si on a la cannelle en bâton, il va bien aussi avec. La banane et la cannelle, ils passent très, très 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 bien. Nous prenons le sucre, le beurre et les œufs, nous mélange tout bien ensemble, nous battons à du bien, nous fait fondre le beurre. Hein. Euh, quand le beurre est bien en liquide, nous larguons dedans et nous mélange bien euh, tout ensemble. Quand le sucre avec le, le beurre finit bien bien fondre et nous ajoute la farine, petit peu, par petit peu. Alors, ici, la Réunion, on a toujours tendance à faire des beignets bananes. Alors, les beignets bananes, les euh, assez intéressants pour faire. Un de ces quatre, nous aurons l'occasion de faire. Et les beignets bananes utilisent des bananes vraiment mûres. C'est des bananes, en règle, euh, en règle générale, on utilise des bananes de fin de série. Hein, Quand elles sont bien, bien mûre, la peau commence à tenir noire. Euh, nous, utilisons euh, les ces bananes-là. Et pour cette recette-là, moi, je disais des bananes carrées. Alors, les bananes carrées, ici, à la Réunion, les gens y en servent aussi pour quand les verts pour faire un curry avec. Et là, nous avons euh, des bananes euh, carrées assez ah, mieux. Nous avons aussi quelques gouttes euh, euh, de vanille euh, en dedans. Si vous avez des gousses de vanille, vous avez des gousses, vous avez à Bien surtout ici à La Réunion, nous on a de la vanille de première qualité, la vanille de Bourbon. Une vanille qui est réputée à travers le monde pour sa saveur et puis pour son goût. Et surtout pour cette odeur assez spéciale qui est assez forte. La vanille elle est plantée ici à La Réunion, plutôt vers Sainte-Rose. Partout par là-bas, nous trouvons bien, il réussit bien. C'est la région au vent où ça, la pluie tombe un bon peu. Et du côté de Saint-Philippe, tout ça là. On a des, des carreaux de vanille et les planter euh, euh, à l'intérieur des forêts, surtout euh, où ça, on a des pieds de chandelle. Alors là, notre pâte nous l'a bien mélangé, nous a ajouté euh, la farine euh, au fur et à mesure, on pas vite tout d'un coup, nous hein. au fur et à mesure. Quand tu vois la pâte, il commence à devenir lisse comme ça, il ne coule pas trop. Pour être onctueux, il ne faut pas que la, la pâte les épais, il hein. faut que la pâte soit juste. Euh, Onctueux, il coule, euh, il coule pas, on peut dire, il coule sec, mais il coule comme ça, tu vois, sur sur l'image là. Et à ce moment-là, euh, les affaires, les bons. je t'y prends du temps, les vrai, est un petit peu fatigant pour le, le bras. je euh, peux utiliser aussi un robot, un mais moi, moi, la préférée, utiliser mon fouet, j'aime bien ça. Donc, euh, utilisez ça. Quand l'a fini bien mélanger comme ça là, nous prend un moule que nous va beurrer nous va mettre un peu de beurre, dans on va frotter et on peu peut mettre un peu la farine en dedans quand on a fini beurrer le moule et moi on l'a fait de façon simple, c'est un petit gâteau pour deux trois personnes sans plus, nous ne sommes pas maillés, nous coupons les bonnes morceaux de banane en dedans et nous vide la pâte dessus avant de passer à lui au four. Les bananes zot il peut aussi Écraser les bananes et mélanger avec euh, la pâte. Mais moi, on a appris à faire comme ça, mais fait comme ça. il trouve que les, les gaillards ont un petit euh, euh, morceau de banane dedans qu'on croque dans la pâte. Voilà, en gros, nous passons au four, Thermostat, euh, nous passons au four à environ 170 degrés pendant 40 minutes. La recette l'a finie. Merci, Azote. On y retrouve.